Bonjour, on espère que vous allez toutes et tous bien. On va vous faire un petit haul action. J'ai Onyx sur mes genoux, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, donc je vais commencer par des produits que j'ai trouvés au rayon enfant. Ce sont donc j'ai acheté deux paquets. C'est de la fourrure très lisse et autocollante. Donc il y en a deux par paquet. Voilà, et ça fait au niveau grandeur, ça fait, on va y arriver, c'est des feuilles de 24 cm sur 15. Voilà, donc il y a deux feuilles de 24 sur 15, voilà, 24 sur 14,5 10 sur le paquet. Et donc, il y en avait des différents. Moi, j'ai trouvé celle-là, il y en avait d'autres. Et en fait, celle qui me plaisait, la noire et blanche, comme ça, celle-là, eh ben, elle n'y était pas. Voilà, il y avait les autres. Donc, je vous montre le paquet. Ça se compose comme ça. Voilà, rayon enfant. Voilà, rayon enfant, loisirs créatifs enfant. Je ne sais pas trop dans votre action. Moi, c'est rayon enfant, plus où il y a la peinture, etc. Après, j'ai repris des toiles pour mon mix and media. Après, alors là, j'ai craqué. J'ai trouvé plein de petits toutous. C'était la dernière planche dans mon action. Et surtout, il y a les petits yeux mobiles. Bon, j'en aurais bien pris deux, mais bon. Voilà, parce qu'il y a des lamas. Mais bon, moi, les lamas, à part suivre la mode des lamas, ça ne m'inspire pas. Bon, les chiens, ça m'inspire quand même. Hein. Voilà, donc ils ont tous les petits yeux mobiles. Il y a des petits os. C'est rigolo, je vous montre. Voilà. La planche. Voilà, et là, j'ai une autre planche que j'ai pris. Pareil, c'était la dernière. Et en général, il y a beaucoup de bulldogs, de dogs. Mais je ne tombe pas souvent sur des petits bichons comme ça. Moi, j'ai un bichon. Donc, moi, j'étais contente. J'ai trouvé le petit bichon. Et j'ai retrouvé aussi un petit chat. Donc le chat, il est là. Le bichon, il y a des oiseaux. Voilà, je vous montre. Voilà. Après, j'ai pris encore une fois enveloppe et carte pour faire des albums pour envoyer. Et puis, j'ai pris ce bloc. Je ne sais jamais les grandeurs. J'ai un problème avec les grandeurs, moi, hein. Je sais pas. Enfin, vous le connaissez. Hein. Vous voyez ce que c'est comme bloc. Regardez, je vous mesure tout ça. Ma règle est pas loin. C'est du 15 sur 21. 15 sur 21. Oui, je me le note quelque part. Donc, celui-là, je ne l'avais pas vu encore. Donc, il y a des cactus. Ça, j'aime bien. Ça fait, je trouve, un petit peu aztèque. Voilà. Il y a du foil. Je m'y prends mal en plus. Il y a encore des cactus. Voilà. Encore des cactus. On va dire que c'est sur le thème. Ah, j'ai des petits lamas quand même. Je m'étais dit, je ne suivrai pas la mode des lamas. Si, ben, il y a des lamas quand même. Voilà. C'est un rayon peinture. Donc, c'est de la peinture acrylique brillante pailletée. Donc, je trouve plus mon ticket. Donc, ça, c'était rayon peinture, pas rayon scrap. Hein. Et c'était moins de 3 euros, il me semble. Hein. Voilà. Je vous montre. Oh, pardon, on mixe. Voilà. Donc, ça, je n'avais pas vu encore. J'étais contente. J'ai dit, tiens, je vais essayer. Voilà. Ça, vous connaissez, c'est des petites boîtes à, je crois, 70 centimes. J'en ai pris 4. Voilà. Pour mon rangement. J'avais autre chose à vous montrer. C'est où? Ah, c'est là. Voilà. Alors, pareil, hein, rayon peinture. C'est de l'aquarelle liquide. Aquarelle liquide. Donc, dans mon action, il y avait deux couleurs, donc toutes ces couleurs vert d'eau, bleu vert d'eau, et toutes ces couleurs rose, orangé, rouge. Donc c'est
vendu dans du dur. Voilà, c'est du dur. Des jolis petits. Attendez, on va en ouvrir un quand même. Je vais en ouvrir un. Maintenant, je sais ce que c'est donc. Je peux ouvrir. Hein. Donc, c'est vraiment chouette. Hein. C'est bien présenté. On peut peut-être même mettre le pinceau, je ne sais pas. Mettre, voilà. En tout cas, on ne fera pas tomber les petites bouteilles. Ah, attendez. Pas que je casse tout encore. Voilà. Super. Voilà, la petite bouteille dans son petit compartiment en plastique. Voilà, avec des petits trous. Alors, je me demande s'il ne faut pas enlever les bouchons, puis on trempe directement son pinceau, on fait ses mélanges. Drôlement chouette, hein. Donc, rose, rouge, orangé, hein, je vous ai montré. Voilà, les couleurs. Et puis, les tons bleu-vert. Alors, si vous trouvez d'autres couleurs dans votre action, vous pouvez me dire, hein. Je veux bien, moi. Des petites fleurs roses, j'aimais bien la couleur. Ça, j'aime bien. Voilà, parce que je fais des rosaces comme ça avec, au lieu de faire avec du papier, ben, des fois je change, je fais des rosaces bling bling, si vous voulez le tuto vous me demandez, je ferai un tuto, ça me prend pas beaucoup de place, donc voilà mes rosaces. Ça j'ai pris parce que je me suis dit tiens, pour un album steampunk industriel, en les colorisant un peu, j'en ai peut-être déjà mais des plus petits. Je trouvais que c'était sympa. Voilà. Et puis, chez Action, je me suis pris... je vous montre tout. Hein, de la laine. Voilà. De la laine. Donc, deux plaques comme ça. Et puis, je me suis pris des aiguilles à tricoter. Qui sont là. Voilà. Et puis, je vous montre quand même mon petit onyx. Il est là, Onyx, il est là, vous voyez Onyx, 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 il est sur mon bras, et il est là Onyx, là, tu dis bonjour Onyx, tu dis bonjour et au revoir parce qu'on va bientôt partir, voilà, il y a les pattes d'Onyx, tic, 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 voilà, alors on va vous dire au revoir, et puis on va vous dire qu'on vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou un bon week-end, ou une bonne semaine, suivant la vidéo, à l'heure, au moment où je la mettrai sur ma chaîne. Voilà!